Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Randoux, la bibliothécaire, et aujourd'hui c'est la journée européenne. C'est pas mondial, mais je dis, ça vaudrait peut-être la peine qu'on ait ça ici aussi, que ça devienne une journée internationale. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est la journée européenne de l'énergie éolienne. Alors vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'énergie éolienne? Dites-moi vos arguments en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Journée européenne du vent, de l'énergie éolienne. Et est-ce qu'il faudrait une journée semblable ici aussi et que ça devienne une journée internationale? Alors, voilà les questions auxquelles j'aimerais que vous me répondiez en commentaire. Alors, Wikipédia, il y a une page sur l'énergie éolienne. À Chéronobré, il y a quelques livres, 8 livres. C'est pas beaucoup. Moi, il me semble que ça, il pourrait avoir de la place pour plus de livres sur l'énergie éolienne. C'est une technologie d'avenir. Et il y a 2 résultats chez Chapters. Et à la Bibliothèque de la Ville de Montréal, il y a plus de 70 résultats. Voilà pour l'énergie éolienne. Alors, vous, est-ce que vous aimez les éoliennes, l'énergie éolienne? Vous êtes de quel endroit? Est-ce qu'il y en a dans votre région? Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres découvertes. Et merci de partager cet épisode à votre réseau. Bonne journée tout le monde et à bientôt. Bye.